American Dream, oui, c'est vrai que c'est un peu la révélation de 2020, avec notamment Lupo Nero qui a gagné sa liste de Saint-Cloud, qui sort de Cholumet d'ailleurs, hein, qui était peut-être pas forcément destiné à l'obstacle, mais plus pour le plat, ce qui est très bien. Et donc aussi, on a vu des chevaux gagner en obstacle, Amazing Filly là, qui a gagné, Even du Seuil, la QPS à Jerry Plank, Gamalco. Voilà, c'est une. J'espère que ça va être dans la continuité pour cette année 2021 et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas plus loin. Tu peux nous le décrire physiquement, il Physiquement, fait c'est un impression. cheval. C'est un beau cheval qui fait 1,66 m, avec beaucoup de masse, très puissant. C'est un cheval vraiment bien fait et qui reproduit exactement comme lui. Étonnamment, il fait des chevaux d'obstacle alors que lui c'était un cheval plutôt de vitesse quand même. Oui, mais bon, après, American Deauville, c'est American Post, c'est Behring, donc c'est peut-être son côté Behring qui ressort derrière tout ça. Pour la tenue. Voilà.